maintenant c'est au tour de Ludoki face à Kenshiro. Allez, petite taunt entre les deux joueurs pour se saluer. Oula, ils ont Naotoshi directement de la part de Kenshiro. Il essaie d'ouvrir la garde là actuellement, il met de la pression, bien joué ça. Il fallait garder haut. C'est Ving, bien joué, hop là. Petit Shadow Kick derrière, la déchoppe. Ludoki dans le coin, il a beaucoup de mal. Face à Kenshi qui inverse, bien joué là. Il a puni le saut avec un Scarlet Terror. Côté Kenshiro maintenant, il essaie de trouver sa distance. Et il va passer de côté, bien joué. Flying Barcelona derrière, le combo qui est passé. 4 hits bien produits hein, de la part de Ludoki. Flying Barcelona, ouais, la saving, c'est ce qu'il fallait faire avec Shadow Kick derrière le Zento. Bien joué, EX, bien utilisé. Là, Kenshiro s'est tenu très très bien. Il a fait double touche dessus. Et la Shadow Kick. Ludoki avait du mal de s'en sortir de la presse du Gaï. Le premier round remporté par Kenshiro. Mais Ludoki, comme le dernier match face à McLaren, s'est essayé de mettre beaucoup de rythme. Ah, il a été là où Flying Barcelona, pardon, arrêté net là par Kenshiro. Qui se bien ses savings depuis tout à l'heure. Le Shadow Kick qui vient rattraper le backdash. Le Shadow Kick de nouveau. Là, il a mis un très bon jeu de mind game avec Light Carolix qui est passé. Aïe, dommage, trop précipité. Il aurait pu attendre que le Saint Pukaiku soit terminé entièrement pour le punir. Le Flying Barcelona qui est passé. Et bien joué, Flying Barcelona, ils ont la drop. Allez, maintenant il y a l'Okizem. C'est pas gardé, il a ouvert sur la garde. Ouais, l'overhead derrière. Il est très bien là, Ludoki. Ouais, le Barcelona qui est passé encore une fois. C'est la chop du côté de Kenshi pour mettre à terre. Et là, attention, ça peut être très vite. Il prendra la chop également. Le cross-up qui est passé, le Zento. Bien joué, ça stun. Très bien joué de la part de Kenshi qui va placer l'ultra, qui va tuer. C'était vraiment une extrémiste entre les deux joueurs. Vraiment bien joué à vous deux. Et c'est Kenshi qui l'emporte. Grâce à justement à sa target bien utilisée. Bravo à vous deux. Et Ludoki, toujours pas éliminé. Il était égalité actuellement avec McLaren. Mais vu qu'il a remporté, il aura encore un match à faire. Le match décisif de Ludoki, ce sera soit contre Kenshi, soit contre Uranium. On se dit à très vite pour la prochaine rencontre. Kenshiro face à Uranium. Et que l'esprit des combos soit avec vous.